L'armée d'Haïti mettait pied à terre Jean en pile monde te souhaitait parce que Jean l'armée a là en pile monde t'a remé ouais nous gagnons l'armée dans pays d'Haïti comme ça parce que nous connaissons Jean gang yo prend pays a OK gain en pile zone ces zones de non droit yo ye ou pas ka si qu'il est là-dedans yo kidnapping moun yo pas ka vivre et bien si toutefois nous te gagnons l'armée dans pays d'Haïti mon cher des zones sa yo pat ap fèt. C'est sûr. Eh bien, jodi an, c'est 2 janvier 2024. La Medaïti mette piel a te, nan sens, gen an pil moun ki pense que yo tout de yo, parce que yo gen de nouveau matériel, yo gen de nouveau équipement, ok? Eh bien, en pile moun ap atann yon lot façade de l'armée d'Haïti. Parce que gen en pile moun ki kon di ah l'armée a yo rete nan base yo seulement, entraîné nan base yo seulement, yo pa fè anyen encore. Mais jounen jodi an la, nou wè 2 janvier a, eh bien ni 1er janvier tout yo sorti. Mais gen moun ki ap di kon sa ke l'armée a sorti, c'est vrai, c'est chaque 1er janvier yo toujours sorti ensemble avec PM Ariel Henry, après ça yo rete nan base yo. C'est pas ça nous besoin. C'est pas chaque 1er janvier, 2 janvier pour l'armée sorti et puis après ça ou pa wè point tête yo encore. Parce que yon pays ap fini kon sa. Ou pa ka gen yon l'armée nan pays d'Haïti. Et puis, pour ce chaque 1er janvier, pour le sortir, 2 janvier pour le sortir, ça pas fait sens. Et au même fait qu'on est que, depuis, ouais, 1er janvier fini, 2 janvier fini, l'armée fin bail PM Ariel Henry, service, ou pas tant d'elle? Eh bien, c'est ça, Guy Philippe a pône. Il dit qu'on sait que, oui, faut que nous gagnons l'armée dans le pays d'Haïti. Yon pays qu'on sait pas capable gen l'armée. Yon pays comme ça faut que li gen l'armée pour bay peuple la sécurité. Mais l'armée a pas vle di comme si craser le pral craser zo peuple haïtien. Non. N'entend éclairer ça, bagay ça pas fait, mais yo t'a mettre l'ordre. Besapio, nous connaît Besapio yo même, yo là pour environnement, yo tout gen utilité yo. Eh bien, nous tout mette ensemble, ni police nationale, tout coronet ap mette ensemble pour gen yon demain meilleur. Tant kou PM Ariel Henry qui t'a parlé nan discours là, il fait konnen que li pa tete langue ensemble avec bandi yo, mais est-ce que discours ça li même, est-ce que nous pas tande le déjà? Nous tande le déjà. Nous tande forme discours ça yo déjà, mais rien pas jamais marché. Jounen jodi an la, mes amis, nous espérons discours ça que fait là et li gen part de vérité la dan, vraiment nous vinn gen souffle dans pays d'Haïti nan koze gang yo. Nous konnen fòk nou di nou bonjour ou bonsoir. Nan mwen sa m pa konnen ki kote ou ap gade nou, mais la seule chose, si toutefois ou poko abonné ensemble avec channel la pou ki sa pa fèl. Abonné, lò fin abonné te m di ou toujou sonje pou pèse ti cloche la ou retire le mete le sou tout ou konn pou ki sa. Chaque fois nou mete yon vidéo, la monte sou téléphone nou. Mes amis, pou nou kontinye ensemble avec vidéo nou ap pale de Thank you.
Ça, mais pas envie de faire un discours bien long pour dire même bagaille que nous habitués tendez chaque 1er janvier. Mais 2024 est une année charnière dans notre histoire. 2024 est une année au cours de laquelle nous aurons à relever ensemble de grands défis. En 2024, Haïti doit reprendre destin li nan men. Jean, nous avons une tradition fait ça, 1er janvier, nous devons laver et nettoyer Kaila. Nous devons baler, rouser, changer ma bioplace. Et puis mettre l'ordre dans Kaila. En 2024, Abraham dit c'est assez. C'est pour tout le monde, ouais. Haïti décidé, prend chemin, changement, tout bon vrai. 2024, c'est année pour combattre changement lancé sans garder derrière. Jour arrivé, pour Haïti sorti dans l'insécurité, dans les affaires pas bon. L'ambi rassemblement sonné. Pour être ensemble, tourner yon réalité. Tout le monde d'accord. Situation ça, pas arrêter comme ça. Faut que ça change. Ou de la difficile, mais faut que nous marrer, ceinture nous, pour nous arriver à faire changement, tout le monde a souhaité. 2024, c'est année nous devons refaire escamfiguer l'État. Et faire tout le monde respecter, tout partout dans le pays. 2024 doit être l'année du retour à la normale et du retour à la libre circulation des personnes et des biens. L'année 2024 doit être l'année de la réconciliation nationale et du rassemblement de la famille haïtienne autour d'un projet commun. 2024, avions année réflexion pour nous décider ensemble. Côté nous voulons aller à PIA, pays papa Dessalines qui était pour nous. Année ça, objectif nous tous, t'as doué, faire tout ça nous capables pour remettre Haïti sous chemin démocratie, respect constitution et loi, nous baille tête nous pour nous vivre ensemble. Pays nous a gagné en pile potentiel. Qui va permettre tout le monde de vivre plus bien là-dedans. Nous allons recommencer à attirer investissement et faire touristes retourner dans le pays. Nous allons faire Haïti tourner une destination, un pèlerinage pour tout pays qui est victime d'esclavage, Vinoué, premier pays qui est cassé, chaîne. Nos activités comme ça, t'as honoré les ancêtres nous. Et qui a créé en pile opportunité pour nous faire jeunesse là, travail avec l'espoir. Pour nous arriver à changer le pays, il faut tout le monde accepter, respecter les règles jouettes là. Pour nous arriver à atteindre l'objectif, il faut nous décider six groupes de monde qui décident de servir à l'examen pour terroriser la population. Tout y est monde pour grand messie.
kidnapper monde, violer femmes, empêcher haïtiens circuler libre et libre sous terre dans cette nuit et bail et quitter pour nous. Monopole utilisation la force légitime dans main l'État, ça doit arrêter. Nous pas qu'à quitter nèg qui gagne zam fait nous quoi pour remplacer l'État ni maintenant tête yo yo qu'a fait la loi. Et spectacle n'a jodi a pas bon du tout. Moi comprendre. Nous fatigué à délinquant yo. Moi comprendre. Nous bouquer exact bandi yo. Moi comprendre. Nous t'a remis ça changer et pour ça changer vite. Mais nous pas qu'à faire ça n'importe qui gens. Solution problème ça yo. Nous pas joindre yo si n'a continuer fragiliser l'État. Au contraire. C'est chercher pour nous chercher ensemble. Puis bon moyen pour mettre l'État sous deux pieds. M'a rappelé tout acteur sous terrain. Fait la troubaraille, créer chaos, paniquer petit peuple là, pas bail pouvoir. Nous est ça. Bonne solution, c'est d'en créer un environnement favorable pour nous continuer à redresser l'économie pays et créer conditions pour le peuple haïtien qui a choisi libre et libre. Qui femme à qui garçon sérieux et compétent livre mettre dans tête pays dans cadre élection libre sans force côté. Année 2024 là, t'es calme, t'es fret, n'a pas commencé à circuler dans tout quartier, dans la capitale là, et dans toute zone dans le pays. Tout demi-jeune bien bouchon. Ça que vous voulez faire nous peur, bien pour jouer un bouchon le dos. Je dis, nous plus près, jour paysan minouyo, à Vinbas, by force sécurité minouyo, j'arrête. Le cas croapé bandit à tout groupe qui n'a activité illégale, contrebande, trafic d'armes et munitions, trafic moun et trafic drogue. Ma voye un remerciement spécial dans nous tout peuple haïtien. Bay toute jeune femme et jeune garçon qui n'en force sécurité nous. Qui c'est dans l'armée, qui c'est dans la police. Chaque jour, il y a risqué vie pour contrer cogno ak bandi. Et il a fait ça avec moyen limité. M'a salué courage et détermination. M'a salué mémoire tout ça yo qui tombé pendant service. Nous pas plaguer famille. En attendant, mission support pour sécurité, MSS, l'Avini, gouvernement a fait tout ça le capable pour mettre plus moyens à plus matériel dans les forces sécurité. Matériel qui sont définis là, yo, c'est trois quêtes là. Chaï là derrière. Même gouvernement, c'est un exemple à clé. Pas de personne qui est au-dessus de la loi. Faut Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, contrôler ce qui a passé dans le système là. Éveiller pour cela par l'autre bagaille qui a fait. Et c'est devoir gouvernement pour veiller à la bonne marche des institutions de la République. Ma pour dire encore, gouvernement m'a dirigé à un dialogue. Et ouvert deux bras pour intégrer tout compatriote qui voulait. Depuis Jamaïque, je te promets pour élargir HCTA, pour te faire plus secteur politique, rentrer dans le gouvernement, pour démarrer le processus révision constitution, pour nous lancer le processus électoral. Pendant plus de deux ans,
nous fait tout ça, nous t'es capable pour nous mener tout le monde bon table. Nous décider avancer avec acteur qui veut. L'autre va rejoindre nous dans la route. Dans le mois de janvier 2024, là, nous sommes déterminés pour nous faire ça. Frémio, c'est mieux. Ce n'est pas une fatalité pour rien toute quantité de compatriotes qui n'ont grand goût. Haïti a une capacité pour il produire assez manger pour nourrir toute petite. Si nous voulons, nous allons résoudre le problème de la mangeaille là. Une fois pour toutes. Agriculture m'a de l'eau. Ma prédit encore, peuple haïtien qui a compté sur le gouvernement pour continuer à défendre l'intérêt Haïti pour utiliser de façon équitable toute l'eau nous partager avec voisins. C'est notre concertation entre population et autorité de l'État pour nous gérer ça, sans nous pas besoin d'un compte avec voisins. M'a dit tout paysan, tout planteur, merci pour l'effort qu'il a continué à faire pour bailler tout pays à manger. M'a dit dans nos pays, merci à toute famille, à hommes d'affaires, commerçants formels et informels, qui continuent à bailler pays, population, service, malgré toutes difficultés. Y a rencontré chaque jour. Grâce à yo, la douane bat plusieurs records dans recette, malgré l'économie à marcher au ralenti. Moi souhaitais que 2024 là, pote yon soulagement dans difficulté yo. Situation bien pour changer. Et n'a demandé yo, préparer yo. Pour qu'on recommence à investir dans le pays pour produire plus pour consommation locale. Je voyais un gros coup de chapeau par enseignants et professeurs. Ça qui choisit de rester dans le pays pour continuer à partager avec la jeunesse noire le pain de l'instruction. Pays reconnaissant pour sacrifice nous. Un gros merci à tous les travailleurs qui dans le système de santé. Quatre travaillent, combattent l'épidémie et baillent la population soins de santé. Grâce à eux, nous avons continué à vacciner les gens. Je voulais profiter de l'occasion ça pour me saluer les compatriotes qui sont dans la diaspora. Nous travaillons pas ici pour un jour. Qui pas trop loin. Ça qui voulait qu'à retourner la caille, qu'à venir investir et venir partager expérience et compétences avec nous, et pour qui pas, venir participer dans la politique pays nous toutes là. En attendant, je vous remercie pour tout support et solidarité, vous bâillez soeurs avec nous, afrènes nous. Que les circonstances obligent à quitter Haïti. Mesdames, Messieurs, nous célébrons aujourd'hui un moment exceptionnel de notre histoire nationale. Un moment qui a façonné notre identité et tracé le chemin vers un avenir de liberté et de dignité. Nos ancêtres ont proclamé la dignité de l'homme et ont érigé un phare de liberté qui brille encore aujourd'hui. Leur sacrifice et leur engagement envers la justice résonnent à travers les pages de notre histoire et doivent constituer une source d'inspiration pour les générations à venir. En tant que peuple libre et souverain, nous sommes les gardiens de cet héritage précieux. Nous sommes les héritiers de la lutte pour l'égalité, la justice et la liberté. Nous devons évaluer les défis auxquels nous sommes confrontés
et renouveler notre engagement envers les idéaux qui ont guidé nos ancêtres. Célébrer l'an 220e de notre indépendance est également un devoir de mémoire. En 1804, Haïti a posé un acte de bravoure qui a résonné bien au-delà de nos frontières, inspirant d'autres nations à s'engager sur le chemin de la liberté. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Claire Heureuse, d'Henri Christophe, d'Alexandre Pétion, de Zabeth, de Capois-la-Mort, de Boiron-Tonnerre, de Denise Basile, dite Défiler la folle, ainsi que de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à forger notre nation. Nous rendons hommage à ces héros de la Révolution, à ces visionnaires qui ont cherché à édifier une société juste et équitable. En ce jour solennel, nous devons également reconnaître les lacunes et les contraintes auxquelles nous faisons face en tant que nation. Nous devons rester vigilants et déterminés à surmonter les obstacles qui entravent notre chemin. Célébrer nos 220 ans d'indépendance ne devrait pas seulement être une rétrospective, mais aussi un appel à l'action. Nous devons nous engager à honorer l'héritage de nos ancêtres en œuvrant pour une Haïti plus forte, plus unie et plus prospère. Cela nécessite un effort collectif, une solidarité nationale qui transcende les divisions. Ce 1er janvier 2024 marque aussi les 120 ans de la première interprétation officielle de la Dessalinienne. Ce hymne, dont les paroles si bien chantées par le groupe, va nous galvaniser et nous rappelle chaque jour qui nous sommes, d'où nous venons, les promesses que nous nous sommes faites, les obligations que nous avons les uns envers les autres et envers le monde. 1804, 1904, 2004, 2024 sont des jalons importants de notre vie de peuple qui nous invitent à la fois à une rétrospective et à une introspection sur nos manquements, nos difficultés à nous faire confiance, à nous parler, à nous mettre ensemble pour offrir le meilleur de nous-mêmes à notre pays. L'année 2024, année de la mémoire, ramène également les 275 ans de la ville de Port-au-Prince, capitale la plus peuplée de la Caraïbe, fondée en 1749. Elle aura 300 ans dans 25 ans. Une prochaine fois, je vous soumettrai une idée, un projet ambitieux qui devrait faire l'unanimité parmi nous autour de la célébration de cette échéance. Je veux réaffirmer ici, au nom de tout le gouvernement, notre engagement envers la démocratie, la transparence et la responsabilité. Nous devons consolider nos institutions, renforcer l'état de droit et promouvoir une gouvernance exemplaire pour répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. En ce jour où nous célébrons le début de l'an 220e de notre indépendance, je vous exhorte à regarder vers l'avenir avec espoir. En honorant nos ancêtres, nous devons également préparer le terrain pour les générations futures,
afin qu'elle puisse continuer à écrire l'histoire glorieuse de notre cher pays. Frères et sœurs, le pays noir gagne pour le prendre dans l'autre direction et retourner sur le chemin de démocratie, état de droit et prospérité. C'est nous tous qui pour poter coller. Je invite tout le monde dans tout le coin pays, le monde dans toute couche sociale, le monde dans toute tendance politique, pour nous refaire unité qui de permettre aux ancêtres de remporter la victoire, libérer le pays et faire prendre l'autre direction. Ensemble, nous avons sous restauration du pays d'Haïti. Bonne année, bonne fête de l'indépendance, vive